speaker in order. So up first, we have Kwame Ismail. He's a GCV country manager, ambassador, Koti Devori. Ismail Kwame is an experienced professional in currency and cryptocurrency trading. He is from the Ivory Coast, and he has been involved with the Pi Network since 2019. Aside from his trading skills, Ismail is the country manager for the Ivory Coast within the global GCV organization. In this role, he plays a key part in promoting community growth and engagement, advancing the mission of financial inclusion and empowerment. With his deep understanding of traditional and digital markets, Ismail brings a wealth of knowledge and experience to his work. His dedication to leadership within the Pi Network community makes him a driving force for positive change in the financial landscape of the Ivory Coast and beyond. I would like to introduce Mr. Ismail. Bonjour à tous les pionniers du monde entier, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, mon pays. Je suis Ismaël Kwame, Country Manager GCV pour la Côte d'Ivoire. Je remercie particulièrement les initiateurs de ce mouvement et en l'occurrence notre sœur Dorudiline pour l'adoption massive du prix consensuel de 314 159 $, la valeur de 1 pi. Le projet Pi-Network est une opportunité pour permettre à notre continent de pouvoir rattraper son retard. Cependant, pour atteindre cet objectif, il faut l'adoption du GCV. Pourquoi tous les pionniers doivent comprendre et pratiquer le GCV? Premièrement, Pi n'est pas une crypto-monnaie. Pi est une monnaie au même titre que le dollar, l'euro, le franc CFA, etc. Deuxièmement, en économie, tout bien ayant une quantité limitée dans un monde à croissance illimitée devient un bien rare. La quantité de Pi est limitée à 100 milliards pour une population mondiale d'environ 4 milliards et qui est en croissance évolution chaque année. Troisièmement, Pi a de la valeur, c'est pour cette raison qu'il faut l'utiliser en petits fragments. En faisant la comparaison de la commercialisation de l'or et du cacao, nous allons comprendre la nécessité d'utiliser Pi en fragments. L'or se vend en grammes et le cacao se vend en kilogrammes. L'or et le cacao sont des matières premières. Pourtant, à cause de l'importance de l'or par rapport au cacao, l'or se vend en grammes et non pas en kilogrammes. Pi et les monnaies fiat n'auront pas la même utilité. Pi est une quantité bien limitée de 100 milliards de pièces dans un monde à croissance illimitée. Pi tendra à avoir les caractéristiques d'un bien rare comparativement aux autres monnaies fiat telles que le dollar ou l'euro, ou qui sont sujets à la planche à billets. Au regard de tous ces aspects, ne pas utiliser Pi en fragments en ayant une approche comparative par rapport à sa valeur en dollars est une grave erreur. Chers pionniers, je vous invite donc à respecter le GCV dans vos échanges dans le but de chercher à utiliser Pi en fragments et non en ayant l'idée de le comparer au dollar pour atteindre notre objectif aux manettes vertes pour le P2D. Je vous remercie. I'm finished. Thank you. Thank you for that. We definitely appreciate it.